Bonsoir tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme je vous avais dit dans la précédente vidéo sur l'unboxing de la boutique FG Normal, voilà, vous avez vu que j'avais choisi donc un marque-page, voilà, et je vous avais dit que je le ferais ce soir, voilà. Donc, on va le faire ensemble ce soir. Alors, je ne vais pas entamer la tablette, hein, puisque j'en ai déjà des entamées. Je vais pas... Celle-là, je vais la laisser de côté pour une prochaine fois, on verra. Donc, je vous remonte pour celles qui n'auraient pas vu. Alors, d'abord, voilà le marque-page. Voilà. Je vous remettrai en barre d'infos le lien pour retrouver ce marque-page et également le lien de la boutique, donc FG Normal. Voilà, un style mandala. Il va y avoir, dans l'autre sens plutôt, mais enfin c'est pareil, il va y avoir en dessous le petit pompon, comme ceci. Et donc, les perles que je vais mettre, les voici. Alors, du blanc, un violet, un autre, du bleu, un bleu plus foncé. Donc, ça, c'est les strass. Pardon. En perles spéciales, des petites gouttes d'eau bleues. Des demi-perles blanches, des petites gouttes d'eau rouges, des toutes petites gouttes d'eau bleu foncé, et des gouttes d'eau un peu plus grandes, vertes, un peu holographiques. Voilà. Donc voilà ce que je dois mettre dessus. Donc comme j'avais expliqué la dernière fois, je n'ai pas de petite feuille pour me retrouver. Mais dessus, regarde, voilà, j'ai bien tous les numéros directement. Donc j'ai juste à me repérer là et puis à prendre les numéros qui sont bien notés sur tous les sachets. Donc ça va aller tout seul. Allez, je vous rebascule et puis j'attaque. Et on se retrouve à la fin. À tout à l'heure. Thank you.
Voilà, il est terminé. Il me reste à mettre le petit pompon. Donc, je vous montre d'abord au niveau des perles. Voilà, donc il est super beau. Alors maintenant, on va mettre le pompon. Alors pour moi, le plus dur, c'est de passer dans le trou. Mais hop, Fifi, elle m'a fait peur. Avec mes petits yeux. Voilà. Non, ressort pas, merci. Et je parle au pompon. Hein. Faut pas s'inquiéter. Et voilà. Mais c'est joli tout ça. Voilà, comme ça mon mari va pouvoir le mettre dans son prochain livre qu'il va lire. Vous mettre comme ça pour que vous voyez bien. Vous voyez, ça a été facile à faire, ça a été rapide. Bon, je sais pas combien de temps j'ai mis exactement, mais bon, la seule chose que vous avez vu, j'avais commencé avec ça, mais après j'arrivais plus à attraper, j'avais du mal à attraper les perles. Donc j'ai pris la pince, ça allait beaucoup mieux. Sinon je n'ai eu aucun souci, ça colle super bien, la qualité est très bonne. Alors derrière vous voyez, c'est un genre de simili, voilà, ouais, c'est un genre de simili cuir derrière, donc ça va pas s'user, hein, je pense pas. Bon, les perles ne vont pas bouger normalement. Là, ce que je vais faire, je vais les laisser sous presse toute la nuit. Comme ça, ça va bien adhérer. Et ça ne bougera plus. Voilà, Fifi. Bonjour, Fifi. Tu viens de bonjour? Non, non, laisse les perles. Oula, pas toucher aux perles. Donc, voilà. C'était ma petite créa du soir. Donc celle-là, elle était vite. Donc là, maintenant, je vais vous laisser pour ce soir. Je vais vous faire plein de gros bisous. Et donc, je vous rappelle que là, je vous mets en barre d'infos. Non, mais pas ta grosse tête. Je vous remets en barre d'infos le lien de la boutique et le lien pour retrouver... Oh, elle n'arrête pas de me faire des bêtises. Voilà, allez, bouge, 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 bouge. Désolée. donc, je disais le lien de la boutique FG Normal et le lien direct. Oh, ça y est, c'est le soir, je baille, il y avait longtemps. Pour retrouver le lien de ce marque-page. Voilà, je vais y arriver. Bon, Fifi, elle a décidé. Désolée, on a une petite coupure, mais j'étais en train de vous faire un bisou et de vous dire à la prochaine vidéo. On se retrouve très rapidement donc pour une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.